Hello les gens, ici c'est Shadowar et Amy, on se retrouve aujourd'hui pour un 27ème épisode sur Ni no Kuni 2. La dernière fois, on s'était laissé qu'il y avait tout le monde qui était revenu du coup au royaume d'Espérance. Et on avait même... où il est ? Vector, Vector en fait il est dehors. Vector qui était venu nous apporter le mecha aéronef. Mais toujours aussi bling bling, et du coup on va faire quelques petites réparations dessus. Yeah. Parce qu'il y a énormément de réparations à faire dessus, étant donné qu'il y a... Enfin, des petits ajustements, quoi, comme l'énorme tête en or qu'il y a en plein milieu. Et voilà. Et là on a une magnifique place, incroyable, où il y a des habitations qui ont popé. Incroyable. Mais qui n'étaient pas là, et qu'on n'y a pas accès. Parce que ce sont des habitations. C'est perso. C'est perso, quoi. C'est pour les gens, tu vois. Ah oui, d'accord. Putain, il est petit, en fait, l'aéronef. Bizarrement, là. Alrighty. Bon, commençons tout de suite les modifications. Voilà, parce qu'il y a une faciale. Un truc, là, à changer, tu vois. Un petit truc. En vrai, on dirait un peu Edna de... Non, mais oui, des indestructibles, quoi. J'avoue. Ah putain, j'ai oublié sa voix. Tu sais, Suzy, je tiens beaucoup à ce visage. Tiens-tu tant que ça à faire du mal à mon petit cœur ? What's the big idea ? Je tiens surtout à mes yeux, vois-tu. Dès qu'il croise cette chose, j'ai l'impression de sentir mes rétines brûler. Les mecs, quoi. Quelle violence. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Alors, on enlève ça. On va rajouter ça pour voir. Alors, quelle gueule il aura ? Bien, il ne reste plus qu'à faire ça. Est-ce que ça va être un truc normal? Ah! Pfiou, parfait! Je n'en finis pas de m'étonner moi-même. J'ai... Putain. Il est stylé. Mais j'ai rien touché, c'est pas moi! Regarde! Ah. Oh, bouhou, mon aéronef! Il est beaucoup plus steampunk et beaucoup plus stylé comme ça. On va déchirer le cœur de enfin, soit. Je vous laisse. Soit, pardon. Je vous laisse utiliser mon bébé à votre guise. En fait, n'empêche que les quelques réparations, elle a quasiment tout changé, quoi. Le superviseur Victor vous offre le mecha aéronef. Si vous vous trouvez dans une zone dégagée dans le mode voyage, il vous est possible d'appeler le mecha aéronef en appuyant sur triangle. Il vous sera alors possible de vous déplacer dans les airs et d'atteindre des endroits qui n'étaient pas accessibles jusqu'ici. C'est donc pour cela. Appuyez sur X pour entrer en phase d'atterrissage. Si la zone est dégagée, appuyez sur X pour atterrir. Au fait, Evan, j'aurais quelque chose à te demander. De quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Eh bien, vois-tu... Abou. Maintenant que vous avez le mecha aéronef et que je ne l'ai plus, je me disais que vous pourriez me déposer à mes carbos. Même si vous me déposez dans les environs de la ville, hein, ça me va, hein. Je peux compter sur vous. Juste pour ça. Bah, en vrai, le mec nous prête sa bagnole, le moins qu'on puisse faire, c'est le déposer chez lui, quoi. Ça me semble logique, moi. Bah, moi aussi, non. Non, non, on va pas te déposer, non. En fait, c'est juste pour faire une phase de tuto. Oh, putain, mais on est... Hey, on est haut, hein. Ouais. Oh, il va tellement vite. Déplacement rapide. Ok. En vrai, c'est stylé. Bon, il va pas très... Quand il tourne, c'est un petit peu... Mais sinon, c'est stylé, en vrai. C'est vrai. Par contre, du coup, ouais, on peut l'invoquer depuis n'importe où. Donc en fait, là, est-ce qu'on peut se poser dans l'eau ? Non. C'est la question. On va découvrir des trucs. Des ruines. Est-ce qu'on peut passer là ? Ah oui, du coup, il passe au-dessus. Oh, ça, c'est cool. Oh yeah. Allez, salut. On ralentit. Mais calme-toi. Nuit. C'était rapide. Atterrissage. Expulsé, genre. Thanks. Bien joué, les amis. Alors, le mecha aéronef est aussi rapide que confortable, n'est-ce pas? Allez. Je le laisse donc entre votre bonne main. Bichonnez le pourbois. En tout cas, là, dans le marécage. Ok. On ferait mieux de rentrer au Verkai, non? Ah mais au fait, Cécile, tu voulais nous dire quelque chose avant que Vector ne débarque, non ? Vector. Oui, il faut qu'on se marie en fait. Il faut que je me marie. Tu parlais d'une affaire ou je ne sais plus quoi.
Yes. Je préfère vous en parler une fois que nous serons rentrés au château. Je suis le traître. Est-ce qu'il a découvert le poteau rose? Et c'est parti. Oui. C'est tellement bien. Par contre, XP pas beaucoup, quoi. De quoi? En fait, tu peux pas XP, quoi. Tu vas utiliser tout le temps ça pour te déplacer. Non, mais je pense que c'est sur les grosses distances, sur les petites distances, je vais pas faire ça. Surtout que là, en vrai, j'aurais dû faire le déplacement rapide, en fait. Plutôt que de faire avec l'aéronef. Mais c'est stylé, en vrai, l'aéronef, quoi. Tu veux essayer? Non. Très bien. Est-ce qu'on peut se poser dans l'eau? Ah non, on peut pas se poser dans l'eau. C'est genre, il nous chie, quoi, genre c'est genre il nous balance comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu mamie Gretchen, tati Gretchen. Elle servait à faire de la tambouille pour les, à faire des petits bébés. C'est tout ce qu'elle sert à faire. Aller parler à Cécilius dans la salle du tronc. Cécilius, je dois m'entretenir avec vous sur un sujet délicat. Voulez-vous lancer la réunion? Oui. Ah, je ne peux pas. Allez. Oh là. Bon. On va sauvegarder. Allez, go, c'est parti. On va lancer la réunion, c'est parti. L'heure est grave. Eh bien, permettez-moi de reprendre où j'en étais. J'ai vu de nombreux rapports sur des faits inquiétants se succédant au sein du royaume. Quoi? Pas trop. Mais je suis dans le personnage. Par exemple, des ressources manquantes dans nos réserves, ou même un homme à capuche suspect que l'on aurait vu à plusieurs reprises la nuit. Et il y a de nombreux autres cas de ce genre qui sont rapportés par les habitants de notre royaume. Un homme à capuche? Il y aurait un voleur dans notre royaume. Nous devrions mieux ne pas le laisser en liberté. N'est-ce pas, bâtard, Tu l'as dit, mon gars. Golly. Mais qui parmi nos habitants ferait une chose pareille? Cet homme à capuche sait peut-être quelque chose. Yeah. Yeah. On peut être même que c'est lui le coupable. Bâtard. En tout cas, il va falloir songer à renforcer le système de sécurité du royaume. On va mettre des chaudières avec des portes. Je propose qu'on fasse une réunion après le repas de ce soir, afin de mettre au point un plan pour attraper ce voleur. Ça vous va? Il vaut le battre le fer quand il est chaud, hein. T'es pas d'accord, Roland? Non. Désolé, mais je ne pense pas vous joindre si vous faites cela ce soir. Je ne pense pas vous joindre. Vous rejoindre, plutôt? Enfin, c'est bizarre. Comment ça? Je crois que j'ai accumulé de la fatigue ces derniers temps. Je ferais mieux de me reposer. Suspect. En un seul mot. D'accord, Roland. Surtout, prends ton temps et repose-toi. Thanks. Merci, Evan. Baisse la tête. Non. Baisse la tête. Non. Tu la mérites. Arrête. Baisse la tête. C'est cela, oui. Repose-toi bien. Traître. Espèce de traître. Aïe. Tiens. Regarde-le, ce bâtard. Connard. Moi, j'aurais raté l'horloge, je fais. Ah, bah d'accord, bah on fait pas la réunion ce soir, on la fait maintenant. Vu qu'on est déjà en réunion. Ouais. Oh. Si j'avais le suivi dans sa chambre. You have my thanks. Merci beaucoup de m'avoir envoyé tant de ressources et d'informations, monseigneur Roland. En fait, merci beaucoup de m'avoir fourni tant de ressources et d'informations, monseigneur Roland. Ce n'est rien. Si tu as besoin d'autre chose, il suffit de demander. Now... Juste par curiosité. What? Je t'écoute. Pourquoi un homme aussi illustre que vous s'abaisse-t-il à aider un royaume peuplé de pirates et de vagabonds tels qu'Espérance? Je suis sûr que c'est le rat, lui. Non, mais on a vu son visage. Mais peut-être qu'il vient de Caraba, peut-être. C'est possible. Si je me trouvais à votre place, cela aurait fait longtemps que j'aurais quitté ce pays pour un autre digne de mon talent. Point, point, point. On dirait ça, lui. C'est vrai que j'ai l'habitude de jouer dans la cour des grands. Je n'ai pas vraiment de véritable raison de rester dans ce trou. Je ferais mieux de trouver un autre royaume pouvant payer grassement mes services. What?
Eh bien, ma foi. Vous m'avez tant rendu service. Si j'entends parler de quelque chose d'intéressant, je vous en ferai part, promptement. Ou alors, si ça se trouve, c'est lui qui est avec l'homme serpent. Je ne sais pas. Il bosse pour un autre royaume. Dans ce cas... J'avoue, c'est un bâtard, Roland. Il fait genre trou perdu et tout, fils de pute. Roland, espèce de faucheton, tu peux me dire à qui tu parlais hier soir? Hier soir? De quoi est-ce que tu parles? Fais pas celui qui a rien à se reprocher. Un traître, voilà ce que t'es. Tes magouilles vont mener notre royaume à la perte. Hein? Mais de quoi tu parles, Zoran? Monseigneur, Roland détourne nos précieuses ressources pour les donner à un étranger. Hey. Ah non, pardon. Je l'ai vu de mes propres yeux magouiller en douce avec le gars à capuche. Alors Roland, t'as des explications? Il veut s'enfuir en quoi? Et non, en fait, ce n'est pas Roland. C'est son le serpent. C'est le serpent qui s'est déguisé en Roland. Je refuse d'y croire. Roland ne ferait jamais ça. Pas vrai, Cecilius? Je suis désolé, Evan, mais que dire face à des accusations aussi accablantes? Quoi? Bien parlé. Roland, tu mérites qu'on te bannisse du royaume. Mais peut-être qu'il essaie de s'expliquer, on sait jamais. Eh bien, je vois que la confiance règne. Pas la peine de me bannir, je m'en vais de mon plein gré. De toute façon, mon expertise sera plus utile à un royaume beaucoup moins insignifiant que celui-ci. T'as dit quoi, là? Répète un peu pour voir. Non, mais c'est bizarre en vrai. Zoran, Evan, je vous dis à bientôt. Puis les autres, non? C'est trop bizarre. Roland, oh là non, attends! Il ne tente même pas de dissiper les soupçons à son encontre. On dirait bien que les accusations de Zoran sont fondées. Sniff. Mais non! Mon personnage préféré. C'est mal fait. L'herbe, on dirait un peu de la paille. Hein. On dirait un peu de la paille. Les gars, vous avez un c'est petit horrible. Peu... C'est horrible, on dirait qu'il y a un tremblement de terre, qu'ils ont froid, qu'elles tremblent. En fait, tiens, ils ont voulu faire le détail de brindis par brindis, mais du coup, ça marche pas du tout de près. Derrière, ça va, mais... Qui va là? Qui c'est lui? C'est Waluigi! Mon Dieu. Salutations, monsieur le Premier ministre. Enfin, si on peut toujours vous appeler comme ça. Je vois qu'on est déjà au courant. Que me veux-tu? Je viens vous proposer de vous joindre à notre royaume. Vous possédez beaucoup d'informations qui nous intéressent. Oh, je sais. C'est les mecs qui étaient là avant et qu'on a chassé au tout début, peut-être. Je vois. Qu'est-ce que je vais y gagner exactement? Et rassurez-vous, nous saurons vous récompenser à la hauteur d'un homme de talent tel que vous. Je crois qu'il vaudrait mieux discuter des détails avec mon maître. Ton maître? Le roi de Karaba, son Raltesse Ratoléon. D'accord, donc c'est un mec de... C'est un mec de Karaba, du coup. Et bien voilà qui est intéressant. Les crampes. Alors, est-ce que du coup il a fait exprès de se faire passer pour un traître pour pouvoir infiltrer Karaba? On ne sait pas, peut-être, j'espère. Non mais arrêtez-vous, mais c'est... gentil. Mais tous mes bonbons, arrêtez. J'ai tout mis dans lui. Ça n'a pas été marqué. Tous mes bonbons. Ça n'a pas été marqué. Roland quitte définitivement l'équipe. Roland n'est toujours pas revenu. Moi qui espérais qu'il change d'avis après une bonne nuit de sommeil. Ah merde, ça fait déjà une journée. Et nous n'avons aucune nouvelle de Karl non plus, qui était parti à sa recherche. Karl? C'est le gros, c'est le pirate. Oh, Roland. Mon amour. Je suis trompé. Ah putain, il est à Karaba. Le mec, tranquille. Je me sens bien. Ça sent l'entreloupe. Le Black Knight. Château de Karaba. Oh, on va jouer Roland. On va jouer Roland à Karaba. Je te le dis. Son Altesse se trouve dans la salle du trône, tout droit devant vous, au fond de ce couloir. Mon rôle s'arrête ici. J'espère que les négociations prendront une tournure favorable.
Et en effet, on joue Roland. Oui. Le traître. Vraiment, on a une mission avec le traître. Quoi. Salut. Ma mère arrête pas de baiser. J'avoue, j'ai tellement lu ça. En demandant qu'est-ce que je vais devenir... commandant. Allons droit au but. Ouais, j'avoue. En Roland, tranquille. Voilà. Toi, coucou magicienne. Ah, mais dis donc, t'as fini de buller, oui. C'est un boulot sérieux de patrouiller le château. Okay. Ouais, ouais, il patrouille de ouf, hein. Dernière fois, on est passé facilement. Allez, on va aller voir Radigans. Radigans. Je craque un coffre. Salut, toi. Et vous, vous étiez le bras droit de machin. De Caraban, devant, non. Pourquoi vous êtes revenu? Je comprends pas. Je suis perdu. Ah, le petit point de Sophia. Bonjour, tu as l'air différent, toi, tu me fais dire bizarre. Ok. Il s'appelle Rartur. Pas trop envie de mourir. Il s'appelle Rartur. Rartur. Pour de vrai, j'avais pas vu, pardon. Et là, tout le monde va disparaître, sauf Roland. Ah non, c'est juste que Roland est passé en premier. Zelazi, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Ah oui, avec le petit gros. Je me souviens plus quelle voix j'ai fait au petit gros. Eh bien, voilà un visage que je n'ai pas vu depuis bien longtemps. Bienvenue, mon cher Roland. Votre Altesse. Tellement chien dire. Roland, j'ai tant entendu parler de vous. Je suis le ministre Ratanel. Ravi de vous rencontrer enfin. Je suis obligé de leur faire des petites voix de rat, quoi. Bah, le roi, t'as pas fait. Je suis impressionné du travail que vous avez fait pour le roi Evan. Son royaume n'aurait pu prendre l'ampleur qu'il a aujourd'hui sans vos précieux conseils. Je suis honoré d'entendre que vous reconnaissez ma vraie valeur. Je me souviens parfaitement de la défaite que j'ai subie par ta faute. Non, mais là, ça me gratte, pardon. Mais rassure-toi, je ne t'en veux pas. À vrai dire, je me suis permis d'enquêter sur toi. Et j'en ai conclu que nous arrivions sûrement à nous entendre. Si telle est votre conclusion, j'imagine que ça nous évitera les négociations inutiles. Venons-en directement au but. Au but. Mes exigences sont très simples. Je veux du pouvoir. Et beaucoup de thunes. De la coke et des putes, mon gars. Je ferai ce que vous voudrez si la récompense est à la hauteur de mes efforts. Je pourrais même me retourner contre Evan, si vous le voulez. T'en fais trop, gros. Oh, très bien, j'aime les gens motivés comme toi. J'avoue, cette petite mascarade. Ouais, en vrai, je le pense. J'espère beaucoup. Cependant, j'aurais tout de même une condition. C'est-à-dire? Oh, juste un petit test pour être sûr de ta loyauté. Va tuer Evan. Je te donne rendez-vous dans les cachots du château. Ne perds pas de temps. En route. Oui. Très bien. Il y a tellement moyen qu'il... On va. Mais je suis sûr qu'il fait exprès, moi. Je pense qu'il fait exprès, vraiment. Je pense que... Enfin, j'espère de tout mon cœur qu'il le fait exprès. Un petit test, hein. Je ferais mieux de me débarrasser rapidement. Bref, donc... Quoi que... Mais qui êtes-vous? Toi? Où tu sais, toi? Oui, méchant, lui. Je suis Persora. Genre, c'est Perceval, mais en rat, quoi. Vous devez prouver votre allégeance à votre Altesse et Royaume de Caraba. Très... C'est Perceval, mais version rat. Attends, parce que je voulais la carte. C'est par là-bas. Très bien. Allons au moins voir dans les cachots. Ah, je me souviens d'ici. Mais tout est ouvert en fait maintenant. Tout est ouvert. Mais c'est là où on a fui. Ah oui, on est passé par les cachots. Oh, non. Je sais c'est quoi le test. L'infirmière, la nourrice de... L'infirmière Joël! Mais non, la nourrice de Evan, elle est encore en vie, il va nous demander de la tuer! On l'a pas vu mourir, donc je suis sûr qu'elle est pas morte. Ceci est un test. On va se battre. Mais... Ah non! C'est Karl! Oh non! Ils ont chopé Karl. C'est embêtant. Master Roland. Monsieur Roland. You. Monsieur Frodon. Mais tu ne serais pas un des hommes de Sauron. Aye, that I am. Mais oui, je suis Karl. Vous vous souvenez?
Vous vous souvenez de moi ? Cet homme était en train de fouiner dans autour du château. Nous l'avons immédiatement arrêté pour espionnage. Hé, c'est un malentendu ! Arrête pas de vous le dire ! J'étais venu chercher M. Roland pour le ramener à la maison, c'est tout. Vous le cherchez ? Bah oui, on n'allait pas vous laisser partir comme ça. Désolé du manque de discrétion, hein, mais oui. La discrétion n'a jamais été votre fort chez les pirates du ciel. Bien, Roland, comme je te l'ai dit, je vais être sûr de pouvoir te faire confiance. Je suis prêt à te donner un bon poste à Caraba si tu me prouves que tu es prêt à tuer un de tes anciens compagnons. Hein ? C'est de moi que tu parles, là ? Alors, on hésite. Malheureusement, un refus serait très mal reçu. Hein. Personne n'aime se faire prendre pour un imbécile, n'est-ce pas ? Ne me méprenez pas. C'est juste que je n'aime pas faire les choses dans la précipitation. Fais semblant de manquer. Vous êtes pas sérieux, monsieur Roland. Après tout ce qu'on a accompli ensemble. Sorry. It's nothing personal. You were just in the wrong place at the wrong time. Ah! Curse you for the traitor you are! C'est les balles violettes qu'il a récupérées auprès de l'autre. Well, happy now? C'est sûr. Happy enough? Arrête de regarder. Je te vois, tu fais ça. Eh dis donc, ça fait un bail maintenant. On a vraiment pas l'air d'avoir envie de revenir. Yeah. Nous n'avons toujours pas de nouvelles de Carl non plus. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Et si c'était en danger ? On serait mieux d'aller à la recherche. Ils sont en danger ! Pas question. On n'a pas le temps de s'occuper d'un traître. Moi, je n'y crois pas. Je suis sûr qu'il a une idée derrière la tête. T'es un bon, Evan. En tout cas, il ne peut pas nous avoir trahis comme ça. Oh non ! Qu'en penses-tu, Cecilius ? Cet homme n'est plus des nôtres. Il serait plus sage de tirer un trait sur lui. Forgive me. En tant que roi, je pense que vous avez de meilleures choses à faire que de vous occuper de ce qu'il est devenu d'un traître. What? Oh, toi aussi, Cecilius. 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 Bon, on va se regarder dans le blanc des yeux ou comment ça se passe? What? Ah, est-ce que vous êtes insensibles, vous les adultes? Roland était notre ami, c'est pas facile de tourner la page. Oh. Voilà, donc pour la situation actuelle, je pense que les Mystigris se tiendront à carreau pour le moment. Je suis vraiment surpris de voir autant de progrès en si peu de jours, Roland. Oui, tu as bien travaillé. Je vois que nous avons bien fait de t'accueillir parmi nous. Pardon, c'est un réflexe. En fait, il a un petit bouc. Il a non, un petit bouc de rat et ça me donne envie de me caresser le bouc quand même quand il parle. Je sais pas qu'avec lui. Hein. J'aimerais d'ailleurs te demander quelque chose. Sais-tu ce qu'est le sceau royal? C'est l'homme de la nuit. De Givenchy. De Jean Chargautier. Cet objet qui se transmet de père en fils dans la famille royale Mystigris. Tu as. J'ai entendu dire qu'il est nécessaire pour accéder à certains lieux d'importance au sein de Caraba. Tout à fait. Il s'agit d'un magnifique pendentif dont le joyau brûle d'un rouge flamboyant. Il est aussi nécessaire pour entrer dans le dôme sacré de Caraba. Et j'imagine que vous aimeriez le trouver, n'est-ce pas? Tu comprends vite, mon ami. C'est ce que tu... Nous avons fouillé le château de fond en comble, mais nous n'avons rien trouvé. T'as mal au ventre. Evan, le porter sur lui. Tu te calmes. Autant vous dire que ça ne sera pas une mince affaire de le subtiliser. Cela va demander des préparatifs conséquents, mais je peux m'en occuper. Par contre, je vais avoir besoin de beaucoup de temps. Gardez cela en tête. Bien sûr, je comprends. Tu es le seul qui puisse t'en charger de toute façon. Ne me déçois pas. Et vous, monsieur le ministre? Puis-je faire quelque chose pour vous? Je viens seulement d'arriver, mais je peux me charger de tâches simples. En effet, dans ce cas, cela m'arrangerait que vous préveniez Arthur, le chef de la 3e brigade, du changement d'horaire pour notre réunion d'affaires militaires. Mais je suis pas ta bonne. Compris, je ferai ça au plus vite. Et tu peux faire la vaisselle aussi. Bien, donc on peut tout ça sans traiter. Non mais vas-y, on n'est pas une putain de bonne niche, c'est beau hein. Je suis pas là pour faire la secrétaire hein.
Bref, dans tous les cas, on va s'arrêter là ici, pour de vrai cette fois-ci, en espérant que cet épisode vous a plu. On va vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ni no Kuni, pendant que ces mousquetaires mystiques nous regardent bizarrement. Et d'ici là... Portez-vous bien. Allez, salut à tous.